Hello! Je suis tellement fatigué, là. J'ai peur. J'avais comme pas beaucoup de temps, là. Et je disais à Eric, non, ça marchera pas, je pourrais pas le faire. Il est tellement gossant. À la maison, vous devez savoir, Mané, il y a une ligne entre avoir de la détermination et être gossant. Puis Eric, cette ligne-là, des fois, il la voit pas. J'ai vraiment dit oui pour qu'il me sac patience. Come on. On commence. Bonsoir, bienvenue aux recettes. Hey, t'es bien pourri. Je pensais que t'étais bon. Ouais, on va arrêter, on va casser ça. Monsieur, je gagne des trophées artistes parce que je suis super bon. T'es pas bon, tu sais juste lire. Bonsoir, bienvenue aux recettes pompettes. Ce soir, je reçois le gars qui est passé d'être le macho d'un trio de gars à celui qui porte pas les culottes dans son couple. Mon chum de brosse, Louis Morissette. Comment ça va, Louis? Ça va bien, ça va bien. Je veux pas avoir l'air bête, tout le monde. C'est juste que c'est la troisième fois qu'il reprend son intro, fait que je suis un petit peu tanné. À toi. Je l'ai dit tantôt, Eric, quand t'étais pas là, t'es vraiment gossant. OK? Merci. Quand on dit non, on refuse tes invitations, je vais changer de téléphone cellulaire à cause de toi. Beaucoup d'humoristes font ça, mais en général, c'est à cause de filles en tournée. Oh! Shooter! Louis, toi, ici, là, on va le dire tout de suite, t'es pas pantoute dans ton élément. OK, attends un petit peu. Je suis pas bon, OK? Mais, tu sais, c'est comme tout ça dans la vie. Faut en faire pour devenir bon. Mais je suis marié maintenant avec une Germaine contrôlante. Fait que dès que je commence à un petit peu cuisiner, mais non, c'est pas de même. Mais non, descend. T'es bien malhabile. Mais c'est pas ça. Quand, à un moment donné, je me tente, je fais comme, arrange-toi que t'es trop, on va faire la vaisselle après. Fait que de fil en aiguille, je fais plus rien. Louis, on va cuisiner ce soir de la morue panée à l'orange croche. Ah, ben, à l'orange croche? Oui. Ah, c'est bon, on va rôter. Tu peux prendre n'importe quel décapant aussi qui... C'est pas important. Ah, c'est bon. Ah, une bonne idée. J'aime ça. Il y a des frites correctes. Et en plus, on va se faire une petite poutine au porc effiloché on the side. Ah, oh, on aime ça. Es-tu content? All right. All right, shooter! Ben, pas si content que ça. Tu prends ton shooter de la main gauche? Je vais prendre tout de la main gauche ce soir. Mon shooter, la bouteille, quand je vais à la salle de bain, il faut tout que je prenne de la main gauche parce que mon épaule se luxe à rien. Je pourrais me sortir l'épaule en allant chercher le sel présentement. Là. Fait qu'il faut que je fasse ça, bien attention. C'est jamais arrivé dans les recettes pompettes, je l'apprécierais. Ouais! Pogging! Ouais, du pogging! Alors, Louis, il faudra sortir quelque chose, là, parce qu'on dirait qu'on fait rien présentement. OK, parfait. Okay. Alors, là, je sors les ingrédients. OK, là, ça va prendre une éternité. Là. Ça ne marche pas. Là. Ça, c'est bien. J'ai une autre solution pour toi. Si tu trouves que le couteau, ça va passer vite. Ouais. Parce que je sais que tu es amateur de hockey. Là. Hey, essaye avec ça. Yeah! C'est pas fou. C'est pas bête. Ça t'aurait pris 20 minutes avec un couteau. Et là, en 15 secondes, c'est réglé. Oh, mon tout Dieu! Tout est là. Shooter! OK. Tu vas t'asseoir, ça. Il y a comme un temps mort, là. Oui, il y a un malaise. Non, mais moi, j'en profite pendant ce temps-là, vu que c'est plus ta femme qui est populaire, Véro. Ça te gêne pas que je passe une archive de la recette pompette de Véro juste pour nous attirer du monde? Ah, c'est sûr. Alors, on est revenu avec Louis Morissette, mais inquiétez-vous pas, il y aura d'autres extraits avec Véro un petit peu plus tard dans l'émission. Peux-tu mettre des extraits de ton show plate à TVA, là? Tu sais qu'il durait une semaine, là? D'abord, on a retrouvé, imaginez-vous donc, Evan Johannes. Il était en Floride. Mesdames et messieurs, voici toute la famille Dion. Hé! Hey, tu vieillis bien pareil, hein? Sérieusement, à ce moment-là, j'aurais jamais gagé que tu deviendrais ce que t'es aujourd'hui. Tu dois pas le croire. Maintenant, tu me croyais plus. C'est sûr, non, mais pas vrai. Alors, Louis, est-ce qu'on peut revenir à notre sœur? OK, parfait. Parfait. Au goût, ça, Louis. Au goût? OK, parfait. Mais c'est quoi, ça, donc? Ah, ça, c'est vraiment de la nette. La nette, je suis pas fort sur la nette, moi. T'aimais pas être un bouchon, t'aimes pas les câbles, t'aimes pas la nette. Non. La mayonnaise, ça va-tu? Non, mais je t'aime pas trop, toi, non plus. C'est beau, là. Oui. Okay. On a plein de caméras. Louis, tu sais plus à quel. Tu vois, tu n'as jamais fait un show avec autant de caméras. Un, deux, trois. Trois? Oui! Trois. C'est n'importe quoi. Hey, Louis,
Il y en a plus autour de ma maison. Louis, on a une première étape de fait, ce qu'on appelle ici une sauce tartare. All right, bon, shooter! Shooter! All right, let's go. Éric, j'ai oublié de te donner mon cadeau d'hôtesse. Je suis allé pour quelque chose qui allait bien vieillir. Arrête de rire, là. Mon Dieu, c'est une toile? Ouais. OK, c'est quelqu'un... Je l'ai fait faire. Sincèrement, là, c'est beau. Je suis touché. Ben... Hey, attends, regarde-moi bien. Je vais l'afficher dans ma cuisine. Regarde, c'est beau. J'aime mes yeux cross-eyed. 50 Shades of Grey. Ah! Laisse-moi bien. Ah! Ouais. Bouge pas, reviens. Oh, j'en ai une petite. Alors, Louis? On va couper la morue. Ah, que ça pue. Oui. OK. C'est pas la première fois que tu vas taponner quelque chose qui pue non plus, là. Non, non. Dolbeau, 97, Joanne. On la salue. OK. OK, là, on fait des filets. Comment t'as fait pour savoir que t'étais allergique aux fruits de mer? Ma mère l'est. J'en ai mangé. Ta mère s'appelle Lé? Ma mère est allergique. Je l'ai mangé. Il va y mourir. C'est vrai? Mais après ça, tu vas passer le test d'allergie, là. Ils te font des petites marques. C'est bon. Sais-tu comment ça marche? Non. Là, ils te mettent comme du stuff qui représente, mettons, les arbres. Quand t'es allergique, tu n'écoutes plus. Non, non, 2 secondes. On va remettre un extrait de Véro. C'est bon, il vient de partir. Qui embrasse le mieux? Puis t'as pas le droit de dire Louis Morissette. Mais je suis obligée de te dire Jean-François Mercier. Hey, c'est une joke. Oh. Elle est bonne dans ses anecdotes, pareil. OK, continue ton anecdote. Ouais, c'est ça, quand t'es allergique, ça fait une bosse. Hein? Bon, alors, on va faire nos filets, Louis. Alors, on coupe ça en filets comme ça. Hey, mais okay. Comment ça se fait, une question de même qui me vient, là, à brûle pour point, comment ça se fait que les mecs comiques, ça marche plus, ça? C'était-tu parce que vous voulez vous dissocier de la coiffure d'Alex Perron? Tu sais qu'il se fait coiffer à RDI parce qu'il a la même coiffure que Céline Galibault. Non. Tu avec mon chauteur? Oui, ben, j'ai bu le mien. Ah, je l'ai pas vu. Ah, tu mets. Non, cette technique-là marche une fois. Bois-le, bois ça. Hey, est-ce qu'on a été témoin que Louis Morissette a bu ce shooter-là? Hey, il était... Moi, je l'ai pas vu, je demande une reprise. J'appelle à Toronto. Il l'a vu. À l'instant! M'appelle à Toronto. C'est moi ça, tu connais ce joke-là? Je ne sais pas. J'écoute le hockey, moi aussi. Hello! Hi! We will have a review right now. Bon. Là, je veux juste dire que ça, on le remet au frigo, là. Parce qu'à un moment donné, c'est... Okay. On voudra pas chier en eau, non plus. C'est pas de la salmone. OK, là, chier en eau, peut-être, c'est exagéré à la télévision. Peut-être. Shooter, mon... Louis, moi. Oui. On va faire un Xavier Dolan. OK, parce que maintenant, quand on rote, on dit « Je fais un Xavier Dolan ». Oui. Parce que là, on l'a... J'aime pas ça. J'aime ça. OK, shooter. Prends ta main gauche. Oui. Louis, on est rendu à la pâte à frire. On a notre bol de farine ici. Oui. C'est là-dedans qu'on va mélanger les ingrédients. Quand je te nomme l'ingrédient, tu le lances là-dedans. Wow, wow! Non, je le brasse avec quoi? Avec ici? Avec le fouet. Oui! Hey! 50 Shades of Blue. Je te nomme des ingrédients, puis tu y vas. Une cuillerée à thé et demie de poudre à pâte. Ben non, c'est pas ça. C'est blanc, de la poudre à pâte. Woo! Une cuillère à table d'herbe de Provence, poudre d'ail, sauce piquante au goût. Ah oui, moi j'aime ça. Ah ouais! Et un petit peu de poivre. Oui. Shooter! T'aimes ça piquant? Shooter! Pis? C'est... OK, parfait. On l'a perdu. Hey! On va mettre un autre bout de Véro. Ça va, je suis très bien. Je dois pas quelqu'un. Je suis revenu. Là, tu comprends qu'il manque du liquide? Mais c'est ça que je trouve. Ah ben là, c'est là qu'on fait intervenir la bière, Louis. Et quand on dit, Louis, le mot bière, on dit...
Oh, mais ben, laisse-moi mettre. Ben, voyons. Laisse-moi mettre. Voyons. Alors, Louis, on met donc avec cette combien, bière-là. Combien, oh, qu'on rêve. Une tasse. Et là, okay, tu mets une tasse de orange croche. Ah oui. Moi, j'ajoute de la farine. Parce que là, c'est trop liquide. C'est assez épais, là? Non. Ça, c'est la pâte à frire. Oui. T'es toujours là? De moins en moins. Non, le, non, ça, tu vas l'enfariner. Après ça, on va le rouler là-dedans avant de le mettre dans la friture. OK, ça nous prend un bol de... un truc de farine. OK, ça va pas, là. Ça va pas. Bouge pas. Reviens. Ah, oh, j'en ai un petit peu. Non, mais dis donc, il paraît qu'il manque de la farine. Écoute, Eric, là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je ne mettrais qu'une part, c'était là. Écoute, ça n'a pas d'allure. Oh, comment ça va, Angèle? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ben, c'est pas trop. Angèle, je vais te faire boire. Alors, allez, ben oui. C'est quoi, ça? C'est-tu de l'obénite? Oui. Shooter, Angèle! C'est la vraie chose. Tout au complet, attention. Ouais! Hey! Faites ça, Angèle! Ça, Angèle! Elle est des nôtres! Elle est son shooter comme les autres! OK! Non, mais je trouve ça, c'est une grosse taponnage, ça. C'est quoi, cette affaire-là? As-tu mis des graines de sésame là-dedans? Non, c'est du... qu'est-ce qu'on a mis là? Ben, je ne sais pas, ce poisson-là, il va-tu... Comment ça marche? Attends, on va faire de l'ordre ici, là. On va mettre de l'ordre. Tu sais, dans une cuisine, il faut mettre de l'ordre. C'est-tu la première fois que vous cuisinez pompette? Oui. C'est la première fois! Non, moi, c'est bon, là. Ben voyons, vous conduisez même pas, c'est la pape mobile. Qui vient là, c'est bien le volant ici, là. Oui, shooter, Angèle, c'est parti. Toi, là, t'es pas bien, tes yeux tout caillés. Arrêtez déjà. On va s'en aller avec ça, là, viens-t'en. Bon, bon, j'ai avec les la yeux caillés. Santé, Louis, à tes yeux caillés. Oh, ben là, ça... Hey, bon, parce que moi, là, regarde ça. Tu l'arroses pas de citron, ça prend des citrons. Là, elle est épaisse. Il faut mettre à quelque chose, elle est trop épaisse. Oh, toi, pépère. Ben voyons, elle était trop slack tout à l'heure. Elle était trop... Mais quelle sorte de cuisine que vous faites? Je sais pas. Puis là, là, tu passes comme ça, regarde. Là, il faut bien le chacouiller. Mais là, on fait cuire quoi? Non, là, ça nous prend une assiette. Voilà, voilà. Non, non, non. Non, 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 le plateau. Non, ça. Oh, là-dedans? Non, ça, c'est pour quand? Hey, oh, l'assiette. Ici, oh, voilà. Hey, restez calmes, les jeunes, là. Est-ce que je peux mettre dedans? Allez. C'est peut-être un petit peu cacophonique, là. Non. Mais on est rendu à l'étape de la friture. Hey, me dis, Sœur Angèle pis toi, c'est high pitch en temps. Non, hey, je sais pas votre TV. On se fait un shooter d'orangeade, Louis. Ah, restez calme. Avez-vous vu? Pas mon épaule, madame. Mais... Qu'est-ce que t'as-tu mal une épaule? Sœur, un shooter d'orangeade. Est-ce que c'est Orangina? C'est Orangina! Ah, c'est Orangina! Oui! Oh! C'est toi là-bas dans le noir, ah, Gigi! Ben oui. Oh yeah! Eric, hey! Je pleure. Est-ce qu'on sera mieux d'aller à la pause? Oui. Moi, je trouve là qu'il faudrait qu'il se repose. Angèle, on vous remercie parce que votre pape mobile est parqué en double. Merci infiniment, Angèle. Ron Fournier? Ah, parce qu'on a notre pourri flashy! Les gens là, qui nous ont regardés avant la pause, ils ont peut-être remarqué que tu as appelé Sœur Angèle Madame Chose. Non, j'ai pas. Non, 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 non. Oui. Non. Oui. Ben oui, regarde. Hey, non, pas mon épaule, Madame Chose. OK, Qu'est-ce que t'as-tu mal une épaule? Madame Chose. Hey, attends, tu peux un instant, là, c'est surtout pas un manque de respect pour non. Sœur Angèle. Non, 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 j'étais tellement content. C'est juste que ça allait vite, là. Ah oui. Alors, ce qu'on fait, là, Louis, c'est qu'on met un petit peu de porc effiloché dans la poêle ici. Oui. OK. Comme ça. Je ne suis qu'une chanson. Hey, t'aurais aimé ça. Toi, t'es comme Véro. T'aurais voulu être chanteur, dans le fond.
C'est... Ah! Qui m'énerve. Ah, il l'a fait. C'est juste comme une joke. C'est comme une joke. Parfait. Attention, Louis. Louis. On se met un petit quelque chose en banque. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Louis, non? Là, Louis, à cette app-ci, on prend le sac de frites. Alors, pendant que tu brasses ça, là, ce serait-tu le moment de faire notre appel pompette? Qui on appelle? Là, on appelle... Attends, fais-moi dérouler ça, là, qui c'est qui pourrait être drôle. Oh! Ron Fournier! T'as le contact de Ron Fournier? Tu sais? Let's go, on l'appelle. OK. Ron? Non. C'est Louis Morissette. Et Éric Salvaille. Et Éric Salvaille, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est quoi? Ouais, c'est combien, là, Ron? Là, c'est 3-2 Canadiens. Tanaret de Tokoski. Ron, c'est que là, nous autres, on est en train de tourner une recette pompette avec Louis Morissette et Éric Salvaille. C'est quoi ce menu ce soir? C'est de la morue, en fait. C'est de glaffin, whatever. On fait un fish and chip qui s'arrangeait, elle est venue. Oui, oui, et elle a bu un shooter! Voilà. Alors là, on se trouve à avoir fait une petite sauce, là. Il faut vraiment sortir, là, parce que ça fait comme un cerne, là, c'est comme un bain. Alors là, voilà, parce qu'on a notre poire flashée. Hey, t'es passionné dans la sauce. Hey, lâche les pognes! Aïe, tu m'as renversé de l'huile chaude! J'ai rien renversé! Louis, oui. Si t'as déjà regardé notre émission, tu remarques qu'on emprunte des choses à Denis Lévesque? Oui. C'est-à-dire qu'en deux, trois questions niaiseuses, on met un segment touchant pour avoir l'air plus humain? Ben oui. Alors, c'est pour ça que c'est maintenant le moment. Autour du four. Dis-moi, là, tous tes enfants sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche? On va se dire ça? Oui. Est-ce que t'as peur qu'ils deviennent des gosses de riches? Tout le temps. On est à ça, de ça, là. Mais c'est pas parce que t'as des sous, pas parce que t'es en moyen que tu peux pas inculquer la valeur de l'argent à tes enfants. Puis la chance qu'ils ont. Quand ils arrivent à dîner, tes enfants, puis qu'ils voient le château, sont-tu déçus en se disant que c'est plus petit que chez eux? T'as dit quoi? On a couché dans le château. Mais on peut-tu coucher dans le château? Il y a une chambre dans le château. Tu me niaises. Il y a une chambre dans personne le château. Personne ne sait ça? Pas beaucoup de personnes savent ça. Je suis même pas sûr. Je vais vérifier après, je sais le droit de te le dire. Il y a une chambre. Comme dans la chambre de Cendrillon? C'est la chambre de Cendrillon. As-tu fait l'amour avec Véro ce soir-là? Hey, j'ai... Ah, pas voulu. Mais il faut dire que les enfants étaient à côté. Ah, pas voulu? Même le four n'est pas d'accord. Le four proteste. Lou, en terminant, peux-tu me dire quelque chose que tu n'as jamais dit à la télé que tu aimerais me dire ce soir? Je suis tanné de donner des entrevues. J'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. J'ai plus parlé que j'ai vécu. Merci, Louis, de toutes ces confidences-là. Je me sens choyé. Autour du four. Oui, j'ai bien compris ce que tu as dit autour du four, alors on arrête de parler, puis on boit! Oh, non! Là, on monte notre assiette. Mets un petit peu de frites dans le fond, ça va faire un fond. Ah, c'est pas fou ton affaire. OK. Je regarde la photo, quelques morceaux. Ouais, ça, c'est beau, là. Tu fais un peu sloppy, là, c'est comme. Magnifique! Ah, mon... Je crois rêver! À côté là direct dessus, ils vont voir la différence. Ils vont voir que c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Je l'avais dit que j'oubliais. Qu'est-ce que tu fais? Hey, merci, Louis. Merci, vraiment, merci, extraordinaire. Merci. Hey, toi, t'es producteur des détestables. Oui. Bien, tu leur donneras ça, tes petits vieux. Du bon manger mou! Ah, je pensais même moi qui vais le manger! Taxi! Non, mais j'ai collé un livre. Hein? J'ai demandé... Je me suis collé un livre. La gueule! Hey, non, mais... Ah!
Lui, là. Lui, ça va pas du tout. Depuis que tu as volé sa job de King DeVille, ça marche pas en tout, là. Ça va. C'était mon beau Jeffy. T'as pas besoin de lift, Eric? Non, je suis correct. Tu fais des lifts aux artistes qui ont trop vu? Il faut gagner sa vie aussi, là. À un moment donné... Ça va pas de bon sens. Tu sais ce qui t'attend quand t'auras plus ton talk show, hein? Amène-moi au perruche. Ah, merci. Au perruche? On s'en va au perruche. On va aller au Houston, c'est pas une petite divorcée. Qui peuvent pas refuser un petit 100$ vite fait, là. Allez, mais on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Véro va être contente de toi. Oh mon Dieu! Je pensais avoir tout vu avec ce rangé. Ce soir, mon chum de brosse, Charles Lafortune. Non! Arrête! Il y a un calvaire, c'est pas mal. Stéloise! Les ouais! Il a fini une hache coupée des pinces! Okay. Hey, mon vin, il est tombé sur le côté. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Il veut être rempli! On nage en plein délire. Avec toujours plus de rire. Parce qu'avec nous, tout est... Ce soir, tout est permis, dès le 20 avril 20h à V. Présenté par Belle et Hôtellerie Champêtre.